Colonialism, we shall fight until we win. L'atelier de l'histoire. Imperialism, we shall fight until we win. Je vous emmène pour une virée à Alger en 69 dans l'ambiance du premier festival panafricain des indépendances grâce à la sortie du film culte de William Klein, enfin restauré et diffusé par Arte Édition. La marche du monde, Isabelle Godinot, Valérie Nivelon. En juillet 69, le cinéaste américain William Klein filme le premier festival panafricain d'Alger. C'est une fête exubérante, gonflée d'espoir et de fraternité pour une Afrique libre et décolonisée. Dans son discours d'ouverture, le président Wari Boumediene rappelle aux Africains que longtemps contraints de se taire ou de parler la langue du colonisateur, c'est un devoir essentiel et premier que de retrouver ses langues nationales, les mots hérités des pères et appris dès l'enfance. Et pourtant, dans le même temps, le pouvoir de Boumediene interdit aux artistes berbérophones de représenter l'Algérie à ce même festival. Je vous propose de revivre ce Panaf 69 dans la marche du monde avec le réalisateur Salem Brahimi, à qui d'ailleurs le ministère de la Culture algérien a demandé de filmer le deuxième festival panafricain d'Alger, celui de 2009. En écho au film de Klein sur 69, ce festival panafricain de juillet 69, vécu par un jeune homme de 17 ans, Aziz Chouaki, aujourd'hui écrivain et auteur de théâtre. Aziz Chouaki, au son du film de William Klein, ce festival panafricain d'Alger 1969, vous êtes dramaturge, écrivain, je vous propose de nous offrir un petit flashback. Vous êtes un jeune adulte, vous êtes algérien, vous êtes à Alger et vous vivez ce festival panafricain. D'abord, faites-nous partager l'atmosphère qui règne dans les rues d'Alger, parce que lorsqu'on voit le film de Klein, je crois que c'est la première chose qui est frappante, c'est cette atmosphère incroyable qui règne dans les rues d'Alger. Il ne faut pas oublier que l'Algérie à l'époque sortait en fait d'une part de l'indépendance, en 62. Les années qui ont suivi, c'était un chaos indescriptible avec Bembella. Arrive Boumediene et son coup d'État qui veulent remettre l'Algérie sur les rails. Et donc, quand on parle du festival panafricain, de l'Occident, on s'imagine que c'est un festival qui correspond un peu aux grandes normes classiques de tous les festivals. C'est-à-dire communication, affiches, tracts, flyers, etc. Or, il n'y avait pratiquement aucune communication. Il y avait quelques affiches. Il n'y avait pas encore de télé organisée ni de radio. On ne connaissait absolument personne des têtes d'affiche. Archichep, c'était un Marseillais pour nous. À part peut-être Myriam Makeba, qui était en plein dans son succès à l'époque. Quoi. Par exemple, je me souviens aussi de Screaming Jay Hawkins, que j'ai connu des années plus tard. Mais on ne savait pas qui c'était. On voyait juste une espèce de fou sur scène, qui faisait une espèce d'incantation comme ça, très sorcière et très africaine, avec une tête de mort, etc. Et déjà, il avait déjà son tube à époux de spin en you. Et je me souviens que c'était lui qui avait eu l'adhésion populaire immédiate. D'abord, il nous faisait rire, on était morts de rire. Et puis après, donc du rire, on est passé à l'admiration, etc. Quoi. Bon, bref, nous, on avait retenu deux choses. C'était gratos et de la musique, quoi. Et je me souviens, on était partis avec une bande de copains en stop, en bus, etc. Je me souviens, on était tous en short, il faisait une chaleur incroyable. On voyait des gens s'affairer comme ça sur des poteaux, des pylônes, des talkie-walkies, des baffles, des sonos, des CC de sonos, etc. Et pour des gamins de notre âge, c'était fabuleux, quoi. Je me souviens, on dansait dans les rues, machin. Et ce dont je me souviens, c'est que on allait de place en place, quoi. Et ce qui était marrant, c'était que même si, par exemple, de la Grande Poste, au champ de manœuvre, il y avait quoi, 3-4 km de distance, comme c'était la nuit, la brise du soir, quoi, elle déplaçait le son. Il y avait une espèce de cacophonie. On entendait en même temps ce qui se passait à la Grande Poste et en même temps ce qui se passait au champ de manœuvre.
réprimés, persécutés, trahis par les élites, réfugiés dans les villages, cachés dans la mémoire du peuple, la culture africaine n'est pas morte. Pour tuer la culture, il faut tuer l'homme. Tôt ou tard, l'Africain se réveille et découvre d'une part que la peau du colon ne vaut pas plus cher que la peau du colonisé. D'autre part, la culture du colon ne vaut pas plus cher que celle du colonisé. Lorsqu'on regarde le film de William Klein et qu'on regarde cette rue algérienne qui est prise d'assaut par les enfants, par les femmes, par les hommes, par tout le monde, et qu'il y a cette rencontre à travers notamment les grandes parades avec des artistes qui viennent de l'Afrique tout entière et également les Afro-Américains qui sont là, il y a ces grands défilés et à l'image, on voit par exemple des Fatma habillées tout en blanc et puis qui regardent des femmes africaines qui sont seins nus dans la rue. Donc il y a des chocs d'images comme ça, assez étonnants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, je me souviens de ça, sauf qu'à l'époque, le port de ce voile blanc dont vous parlez n'avait absolument pas du tout la même signification ni la même charge politique qu'aujourd'hui. C'était très paisible. Donc effectivement, les femmes voilées, en regardant les femmes africaines, les seins nus, etc., elles se drapaient dans leur pudeur avec une petite pouffade, mais ça n'allait pas plus loin. Par contre, pour les garçons, c'était autre chose. C'était l'appel du corps, l'appel du sexe, la sensualité, etc. Donc avoir effectivement ces danseuses africaines s'exploser comme ça dans les rues, pour nous, c'était inouï. C'était la liberté. On se disait, puisque le gouvernement ramène ces gens, ces musiciens, ces artistes, et qui sont habillés comme ils veulent, parce qu'effectivement, on parle des femmes seins nus, etc., mais les hommes aussi étaient spéciaux, avec leur coupe afro, qui faisait une tonne sur leur tête. C'était nouveau pour nous. Oui, ces cheveux longs, c'était tout nouveau. Ça attisait en fait notre curiosité et notre sympathie immédiatement. Les nègres d'Afrique savent qu'ils sont nègres et qu'ils sont au centre du drame de l'Afrique actuelle. La quête forcée des traditions, nous le disons après Fanon, est une banale recherche d'exorcisme. La négritude, creuse, vague, inefficace, est une idéologie. Il n'y a plus en Afrique de place pour une littérature en dehors du combat révolutionnaire. Dans les forums, dans les débats, dans les colloques, la culture est au centre du discours politique des délégations à Alger. Les Afriques indépendantes, les Afriques encore colonisées, les Afriques de l'apartheid ou encore les Afro-Américains en pleine lutte pour leurs droits civiques. À Alger, en 69, les leaders nationalistes des colonies portugaises sont là. Écoutez Agostinho Neto, il est à la tête du mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, de Mario Andrade, auquel il donne un élan nouveau. Notre lutte pour l'indépendance nationale est aussi une lutte pour la culture de notre peuple. Nous donnons beaucoup d'importance à cet aspect de l'activité de notre mouvement. À notre sens, en tant que mouvement de libération en lutte armée, et nous avons dit, et nous avons affirmé et prouvé que la culture a été une arme de combat au moment de la prise de conscience politique, mais qu'en fait, à l'heure actuelle, avec la dynamique de la lutte de libération nationale, cette lutte est en elle-même un acte culturel, elle est le cadre matériel et permet les conditions idéales pour l'épanouissement de notre culture. À Alger, en 69, on pouvait aussi écouter Amilcar Cabral, le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. Le PAIGC est l'aboutissement d'un processus de consensualisation politique et de recherche de moyens pour développer la lutte contre le colonialisme portugais. Donc, sur le point de vue idéologique, nous avons posé le problème non seulement de libérer la Guinée et les îles du Cap-Vert de la domination coloniale, mais aussi de libérer notre peuple totalement, à jamais, de l'exploitation. Le processus de préparation de la lutte armée a été long et nous avons adapté l'évolution de la lutte aux conditions culturelles de notre peuple même et nous avons assimilé tout ce qui était assimilable de l'expérience des autres pour le développement de notre combat.
Aziz Chouaki, donc ce festival PANAF 69 à Alger, cette grande fête à la culture, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de la danse, hein, il y a des défilés. Donc il y a une ouverture comme ça sur toutes les musiques du monde. Et il y a aussi la présence de leaders politiques qui sont eux extrêmement admiratifs des pères fondateurs de l'Algérie indépendante. Est-ce que vous, les jeunes Algérois à ce moment-là, vous avez un contact avec ces intellectuels, ces leaders politiques, ces nationalistes qui viennent à Alger justement porter leur parole de libération?